Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. C'est environ 3000 plats chauds qui distribuent mercredi 6 janvier à Nandelma 3 et spécialement dans la localité Menelas ak Soupis Aviation. Bénéficiaires yo souligné importance initiative ça pendant yo souhaité distribution yo continuer toucher l'autre localité nan Delma 3 yo. N'a di président merci pour si belle travail ça dans zone parce que moun nan zone était très envie ça, était très besoin ça parce que geste ça est très important pour nous dans zone nan parce que on regarde pour qui gens ti moun yo, mesdames yo, grand moun yo tout yo bien entendre la pour prendre manger. Moi ça fait nous bien en pile. Nous dit merci en pile parce que ça fait nous bien. C'est juste ça qui comptait pour nous en pile. Nous t'assurons que son geste qui t'a fait presque chaque fin mois mais chaque semaine autant que capable parce que ça fait nous bien en pile. N'a pas manger dans nos président de la République là qui font un bon travail. Peuple a mangé dans nos président, dans nos délégués départementaux le ça dans nos DG FAES ça tout qui fait un bon travail. Distribution plat chaud après poursuivre dans plusieurs autres localités dans la région métropolitaine. D'après les responsables qui m'ont des populations à continuer à faire preuve de discipline dans le moment de distribution. Il faut vraiment trouver une entente pour diriger ensemble, parce que pour diriger ensemble et faire les réformes, parce que ça arrive à là, nous avons un problème même dans le système. Maintenant, il faut redéfinir l'ingénierie politique haïtienne. Il faut qu'il y ait une réforme, parce que la Constitution est source de crise. Maintenant, il faut passer par cette étape pour nous redéfinir qui j'ai un pouvoir à distribuer, pour que le pouvoir là, les distribuer aux gens dans le pays, pour que les suspendre source de crise. Parfait. Et puis là, nous finissons redéfinir pour nous faire élection et pour nous camper institution. Parce que ma banne nous clé. Et moi-même, des petits mouns petits, t'es en crise, ou des petits mouns petits, t'es en crise, ou des petits mouns petits, et les doigts, t'es en crise. Parce que génération mouns qui fait dans l'année 80, ça veut dire, m'a parlé de moi-même, probablement, ou même, et on t'y crasse tout petit, parce que vous-même, vous sûr que c'est fin 70. Pas bien. Mais maintenant, qui s'allie, nous-mêmes, c'est crise seulement que nous vivons. Ouais, ça veut dire si on bagaille qu'on habitue à elle sur le plan politique, c'est crise. Le m'appli Claude Moïse, c'est crise. Tout auteur m'appli, c'est crise. Tout le monde qui a écrit sur politique, sur démocratie en Haïti, c'est crise. Comment vous expliquer? Maintenant, il faut redéfinir. Faut que pouvoir là, les redistribuer. On l'autre gens pour que les suspendent source de crise. Enfin. Et on bagaille que généralement quelques secondes. Dit, quelques secondes, on bagaille généralement toujours dit, et m'a profité de plateau ça pour me dire. Bataille politique là, son bataille pour le budget de l'État. Donc qui dit redéfinir l'ingénierie politique là? Ça veut dire pour nous redistribuer pouvoir. Redistribuer pouvoir, c'est redistribuer budget. Parce que tout autant de monde qui a fait politique, yo, si on a un pouvoir, il n'y a pas un budget, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à faire rien. Il y a toujours bataille nuit. Au lieu que vous collaborez pour avancer. Depuis en politique dans le pays, c'est le gouvernement qui toujours gagne toute bagaille dans la main, et bien politique là a toujours une source de crise. République dominicaine résout un bon problème, c'est parce que dans le budget de la République dominicaine, il y a une partie dans le budget, environ 10%, qui lui-même a joint une collectivité. Les États-Unis, en général, nous sommes toujours un pays qui est stable, Jean-Noël stable, en apparence ou pas. C'est parce que même là où on ou bien parti politique li gagne Maison Blanche, mais l'autre parti qui est en face là, li gagne l'autre état yo nan men. Par exemple, pendant Donald Trump lui-même, il était dans Maison Blanche, démocrate yo, yo te gen des états importants nan men autant que New York, état important nan men autant que Californie. Donc ça veut dire yo gen intérêt dans stabilité pays ya, parce que moun ki en les net là, c'est pas li qui mener tout bagay. Parce que politique là, son bataille pour le budget. Parce que le budget, en réalité, c'est là le vrai pouvoir. En matière de plaque d'immatriculation, au niveau de la Direction générale des impôts, selon les dernières informations que nous disposons, okay, il est probable que gagner
certaines modifications au niveau et des caractéristiques techniques des plaques. Okay? Alors là, on a parlé de modifications, ça capable un changement de couleur, ça capable de base, sont maintenus. Oui, on a parlé pour les différentes catégories, les différentes séries. Je suis convaincu qu'avec Fofolopo, qui fournit un travail exemplaire dans la construction de l'aide alimentaire taïwanaise en Haïti, nous allons permettre aux familles haïtiennes les plus démunies de traverser les difficultés du moment afin de vivre des lendemains meilleurs et d'avoir ainsi l'opportunité d'améliorer leur quotidien. Je m'engage, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement et du peuple taïwanais, de continuer à approfondir notre partenariat mutuellement bénéfique au bien de notre peuple taïwanais et haïtien. Et j'espère que Fofolopo jouera toujours un rôle déterminant et indispensable dans ce processus. Ce doit de 8 800 de votre gouvernement arrive à un nommé. Oui, ce doit arrive à un nommé. Et merci au nom des enfants que nous desservons chaque jour dans les écoles et les orphelinats. Merci au nom des enfants malades, des femmes allaitantes et enceintes souffrant de malnutrition, nos assistants de notre centre de nutrition et dans d'autres centres partenaires. Merci au nom des prisonniers que nous assistons à la nourriture dans les prisons à travers le pays. Merci au nom des malades que nous évanouissons chaque jour dans les hôpitaux à travers le pays. Merci au nom des vieillards que nous servons à travers les églises, les assises communautaires et les styles. Le peuple haïtien, à travers votre cours et les bénéfices de cette générosité à la légendaire, se souviendra toujours du grand peuple taïwanais. Nous vous serons toujours reconnaissants, car la reconnaissance si bon est la mémoire du cœur. La première enquête qui concerne l'utilisation des fonds d'entretien routier que nous fait circonscription à partir de 2015, de 2015 à 2020. En deuxième, qui portait sur, l'octroi de la carte de débit au niveau de l'administration publique. Et en troisième, qui concernait l'utilisation des fonds de gestion des collectivités territoriales. Et en quatrième, lui-même qui est pour avec, la prise illicite d'intérêt de certains vérificateurs de la DGI, qui pour nous, ça, extrêmement important, dans la mesure où nous conscients qu'au niveau de l'administration publique, il y a une pratique, côté que nous avons des vérificateurs, des mondes qui sont des dépositaires de la force, de la puissance publique, de l'autorité publique, je dirais, et des agents qui n'est pas placés par la DGI auprès des entités privées pour vérifier, contrôler, n'est-ce pas, cette entité ça, par rapport à l'obligation que vous gagnez envers l'État en termes de paiement de taxes, jeune des mondes qui, malheureusement, en guise de accompli mission ça, ils ont rentré dans une forme de complaisance avec l'entité ça, dans le sens où ils ont quand même détaché ou bien encore fait échapper à l'obligation ça qui c'est payer l'État, quantité de taxes que vous payez. Donc, il a essayé d'estimer que l'opportun pour que les fournis, j'ai gardé dans une situation comme ça, donc, comment il est capable effectivement de traiter, de résoudre le problème ça. Et puis en cinquième, qui c'est, n'est-ce pas, l'utilisation des fonds communaux, là aussi, il a essayé d'estimer qu'il y a nécessité pour les regarder pour eux, eh bien, qui s'allier et qui moyen, comment nous sommes capables de résoudre le problème ça. L'URSSC fait un travail objectif. Nous sommes une équipe qui est notre directeur général Anne Joseph, qui est déterminée pour que nous fassions un travail technique, et ceci en toute objectivité. Nous n'avons pas de contraintes, car nous avons fait en toute autonomie, en toute libéralité. Maintenant, en termes de méthodologie, nous avons des commissions d'enquête qui sont constituées pour capables effectivement de travailler sur chaque dossier salarié. Nous avons à peu près quatre commissions qui sont déjà constituées
qui travaillent sur ensemble d'enquêtes sérieuses, sur dossiers sérieux, qui fait des enquêtes et puis qui peuvent pour produire des rapports en temps et lieu pour nous permettre que eh bien, nous avancer dans ce sens. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.